Bonjour les adorables, bonjour les héros, bonjour tous ceux qui veulent être les meilleurs. Dans une nouvelle séance de lecture compréhension d'un texte dont le titre « Quel savant ?» On passe d'abord pour observer cette image-là. Comme vous voyez ici, il y a un animal que vous connaissez tous. Il nous a accompagnés durant toute l'année, depuis le début de l'année. Il s'appelle Tilly. Et comme vous voyez ici, il est en train de parler. De quoi? C'est à travers ces images-là. Regardez cette image-là. Dans cette bulle, il nous montre qu'il parle d'une mosquée en cours de construction. Sur la côte. Elle se trouve sur la côte. Parce qu'il y a ici la mer. Là, c'est son minaret, le tour de la mosquée. Pardon, la tour de la mosquée, son minaret. Et là, c'est l'intérieur. Et comme vous voyez, il est très très bien décoré. Avec le bois et le plâtre des artisans marocains. Maintenant, on va passer au texte pour bien comprendre cette image-là, cette illustration. Suivez avec moi. Aujourd'hui, chez grand-mère Karima, il y a Sarah, Samy et ses cousins Saïd et Camilla. Ils se régalent de gâteaux et de fruits en regardant un documentaire sur la mosquée Hassan II à Casablanca. Tilly entre par le balcon, grimpe sur la télévision et dit: je sais tout sur cette mosquée. Sa construction a duré 7 ans. Son minaret est très haut. C'est la plus grande du Maroc. La salle de prière peut accueillir beaucoup de fidèles. Les enfants s'arrêtent de goûter. Ils n'en croient pas leurs oreilles. Comment Tilly sait tout ça? Maintenant, mes adorables, on va passer pour lire le texte, mais cette fois-ci écrit en cursive, écrit avec la main. Non pas l'ordinateur. Quel savant! Aujourd'hui, chez grand-mère Karima, il y a Sarah, Samy et ses cousins, Saïd et Camilla. Ils se régalent de gâteaux et de fruits en regardant un documentaire sur la mosquée Hassan II à Casablanca. Tilly entre par le balcon, grimpe sur la télévision et dit: je sais tout sur cette mosquée.
Sa construction a duré 7 ans. Son minaret est très haut. C'est la plus grande du Maroc. La salle de prière peut accueillir beaucoup de fidèles. Les enfants s'arrêtent de goûter. Ils n'en croient pas leurs oreilles. Comment il est, c'est tout ça? Là, comme vous voyez, les enfants ici sont surpris par les informations que Tilly vient de leur donner. Parce que eux ne savaient pas tout cela, mais lui, il connaît déjà pas mal de renseignements sur la mosquée Hassan II qui se trouve dans la ville de Casablanca, la capitale économique du Maroc. Et il sait aussi que son minaret est très haut. C'est la plus grande du Maroc. C'est la plus grande mosquée du Maroc. Et que cette salle peut accueillir plusieurs fidèles. Que veut dire fidèle? Les fidèles sont les personnes qui sont attachées à leur prière. À chaque fois qu'ils entendent l'appel à la prière, ils viennent immédiatement à la mosquée Hassan II pour répondre à cet appel à la prière. J'espère que vous avez bien compris avec moi le texte et après je vais passer avec vous pour répondre, pour vous lire les questions. Je vous souhaite bonne réception.